Rien. Épisode 5. Cocktail sans alcool. Chérie ? Chérie ? Linda ? Linda ? Les petites femmes. Sweet women. Oh ouais. Cette nuit, j'ai fait un rêve gênant. Je disais au revoir à mon mari et mes enfants, comme chaque matin. Je referme la porte et direction la cuisine pour préparer mes petits cookies pour Béa et Jando. Quand tout à coup, on sonne à la porte. Bon, je pense tout de suite que c'est mon mari qui a oublié ses clés comme à son habitude. Mais quand j'ouvre, je vois Geoffroy, notre voisin, venu me complimenter sur ma façon de tenir ma maison et mes talents de cuisinière. Il est entré, il s'est installé sur le canapé, torse nu, son corps recouvert d'huile. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, je me suis réveillée. Des beaux paysages quand même. Ouais, et vous étiez à New York la semaine dernière ? Oui. Comme j'ai vécu 2 ans et demi, j'ai encore pas mal d'attaches là-bas. C'est épique. T'as raison. Tout. Allemand. Alors, ça aide pas. Mais on y arrive. Et dis donc, Bernard, tu sers un petit verre à Geoffroy, s'il te plaît ? C'est le roi des cocktails. Ah, sans alcool pour moi, Bernard, s'il vous plaît. Merci. Et vous y retournez souvent ? Dès que je peux. Vous savez, c'est magnifique. Vous connaissez pas ? Non, en photo. C'est les pyramides de Cozumel, tout ça. Mexique avant, oui, j'aimerais bien. Oui, non, très joli. Merci Bernard. Oui, donc faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie, je suis sûr. Et combien de temps vous êtes resté ? La première fois, 2 mois. Et vous vous déplaciez comment ? En bus, essentiellement. On peut le faire, ça. Oui. Mais c'est pas trop chaud. Enfin, ils sont climatisés ou... Si, mais alors, je vous explique quand même. C'est chaud quand même. Mais c'est un petit peu le but du voyage quand même. Ouais. Si on est dans le confort maximal, c'est pas... Je n'imagine pas du tout. Des paysages... Ça... Excuse-toi tout de suite. Pardon. Non, mais je vais l'enlever. Puis en 2 minutes, ça va sécher. Hop. Voilà. Allez. Ah, on est bien là. Non ? Il fait beau, tant en mieux. En même temps, hein ?